Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter sur Cdiscount. Ok, vous allez ouvrir Cdiscount dans votre base de recherche, dans votre navigateur. Ok, ici, on est dans Cdiscount. Et si vous n'avez pas de compte Cdiscount, vous pouvez créer un compte. Et pour le faire, vous allez cliquer sur votre profil. Ok, ici, vous allez cliquer sur cette option créer un compte. Mais vous avez un compte, si vous avez un compte, vous devez juste vous connecter en mettant vos email et vos mots de passe. Mais dans notre cas, on n'a pas un compte Cdiscount, on doit juste cliquer sur créer un compte. Et si on va mettre une email et un mot de passe, on l'a fait vite. Ok, maintenant cliquons sur créer un compte. Ok, on vient de créer un compte Cdiscount. On vient de créer un compte Cdiscount. Maintenant, on va partir sur menu principal. Et pour acheter sur Cdiscount, par exemple, on veut acheter une iPhone. On fait la recherche sur iPhone. Sur la base de recherche. Par exemple, on va acheter cette première iPhone 14 Pro Max. Pour cette deuxième option, iPhone 14 Pro Max 256 Go, on clique sur ajouter. Ok, et c'est en créer deux. On va cliquer sur ça, nous donne l'option pour acheter avec l'adaptateur USB-C et l'option pour acheter avec Apple AirPods Pro. Ok, mais on ne veut pas, on va juste cliquer sur ajouter. Ok, ensuite cliquez sur voir mon panier. Okay, ici voici notre panier qui fait en total 1368 euros, parce qu'on a ajouté une garantie casse plus vol. On a un an qui fait en sorte que ça augmente à cet prix. Ok, mais on peut juste la supprimer. Ok, ça revient à notre prix original. Et pour acheter ça, vous allez cliquer sur choisir ma livraison. Ok, ici vous allez remplir toutes vos informations exactes, vos informations correctes. Ok, après avoir rempli toutes les informations, si vous allez choisir votre pays, si c'est France, Belgique, vous allez choisir les pays. Donc voici les pays que Cdiscount peut envoyer les colis. Ok, vous allez compléter votre profil. Cliquez sur créer mon compte. Et après avoir créé votre compte, voici les étapes. Après avoir créé le compte, ça va vous prendre à la livraison. Ça va vous donner les conditions de livraison. Ok, après avoir quitté sur la livraison, vous allez partir sur la section paiement, là où vous devez faire vos paiements en utilisant PayPal ou votre carte bancaire. Donc voici comment acheter sur Cdiscount. Merci.